meeting. Alors hier, j'en ai pas fait de la journée, j'en ai pas fait sur la soirée. Aujourd'hui, j'en ai pas fait de la journée non plus. Parce que comme vous avez vu, peut-être, je ne sais pas si vous avez regardé dans ma communauté, vous regardez en bas de la bannière, il est marqué communauté, et souvent je mets des messages là. J'ai mis une photo, j'espère qu'elle ne vous a pas fait peur. On a décidé de changer notre chambre de place, et donc il a fallu tout déménager hier. Alors la chambre est partie dans mon atelier et mon atelier est parti dans la chambre. Bon, ce qui est bien, c'est que je récupère une pièce plus grande. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire ça demain, enfin peut-être, parce que demain, comme il fait bon, je vais peut-être faire du jardinage, donc je verrai. Mais bon, je vous fais très très vite une vidéo scrap tour, voilà, pour vous montrer le nouvel atelier, voilà, en détail. Et donc, ça nous a pris hier la journée. Et là, aujourd'hui, ça m'a pris une grosse, grosse, grosse partie de la journée pour finir de tout ranger. Parce qu'il y avait. C'était une catastrophe. Bon, bouger la chambre, les meubles de la chambre, tout ça, ça a été nickel. Le pire, c'était de bouger l'atelier. Toutes mes caisses, mes boîtes, mes. Oh! Mon mari, quand il a vu tout ce qu'on a transvasé dans la chambre, enfin, qu'on a transvasé l'atelier dans la chambre, il devenait fou. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et à un moment, il m'a fait rire. Parce qu'il a pris dans les mains, vous savez, les blocs de papier scrap d'action, les 30-30. Et j'ai quoi? 5 ou 6 blocs. Mais je n'ai plus que ça. Il les prend dans les mains, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Non, j'y rigole pas. J'en avais au moins une quarantaine avant. Donc. Et pour lui, avoir 5-6 blocs de papier scrap, c'était déjà énorme. Mais c'est vrai que. Oh! Je devenais folle. Alors aujourd'hui, je suis HS d'avoir tout bougé. C'est pour ça que demain, je dois faire jardin, mais j'espère que ça va aller. Que je vais savoir me bouger parce que là. Mais qu'est-ce qu'on entasse? Qu'est-ce qu'on entasse comme que. Enfin, oui, il y a des conneries aussi qu'on entasse dans les ateliers. Mais pourtant, vous vous rappelez, hein, j'ai fait des lives. Hein. J'ai vendu beaucoup. Eh ben, non, il y en a toujours autant. Hein. Et pourtant, je n'ai pas racheté hein, depuis les lives. J'ai rien acheté. Mon mari me dit, mais si un jour on doit déménager, il me dit, j'ai peur. Je crois que ce sera la pièce, si un jour on doit déménager, c'est la pièce qui va lui faire le plus peur à déménager. Mais bon. Mais donc, vous verrez, donc là, cette semaine, je vous ferai un scrap tour. Et comme ça, on fera notre petite visite virtuelle ensemble. Voilà, de ma pièce. Alors, sinon, aujourd'hui, on va continuer les chats amoureux. Voilà. Hein, donc, vous avez vu, hein, j'avais fait le bas. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de faire cette partie-là. Voilà. Et je referai demain le reste. Voilà. Donc, on va attaquer ça. Et je vous refais un petit coucou à la fin, comme d'habitude. Allez. Tout de suite.
Ça y est, bon, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il reste un petit bout à faire, mais bon, ça ira très vite demain. Là, j'aurais pu finir peut-être jusqu'au bout aujourd'hui, mais là, avec le déménagement de l'atelier, je suis morte. Je suis fatiguée. Allez, je vous remontre en fait que je voulais montrer hein, juste avant. Voilà. Donc ça, c'était la partie que j'avais faite hein, avant-hier. Et là, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'essaie de vous montrer, voilà. Regardez, comme ça, on voit bien le relief. Voilà, les petits chats amoureux. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que ce kit, vous pouvez le trouver dans la boutique Mes Petits Diams. Et comme d'habitude, en barre d'infos, la page Facebook de Coralie avec sa boutique. Le lien de sa boutique, bien sûr. Et le lien pour retrouver ce kit également dans la boutique directement. Et je vous ai mis, comme d'habitude, le code promo qui vous permet d'obtenir moins 10% sur votre première commande dans la boutique Mes Petits Diams. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Demain, vous aurez la suite et la fin donc de... du kit et je reprendrai la suite de mon diamond painting la femme tigre. Voilà, je vais le faire ce week-end, donc vous aurez une vidéo sur celui-là aussi ce week-end, enfin je ferai la vidéo ce week-end, donc je pense que vous aurez la vidéo lundi. Voilà, allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous. Et je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous. Et faites bien attention à vous. À bientôt.